Flash info. Mamène Mamad est avec moi. On est ensemble, Plug Univers toujours sur la tête. Donc pour tous ceux qui veulent, rendez-vous sur pluguniver.com. Le lien est dans la description. Si vous voulez vos couvre-chefs préférés, il y a plein de couvre-chefs qui arrivent. On est en train de bosser dur dessus. Bon, alors flash info. Quand j'ai annoncé que ce clash, ça allait pas être qu'un clash de musique, tout le monde m'a insulté. Balou, t'es un bandeur des States. Balou, la rue, tu bandes sur la rue. J'en ai rien à foutre de la rue. Les gars, j'ai grandi à Montfermeil. J'ai tout fait pour quitter Montfermeil. Quand je dis quitter, c'est Montfermeil est toujours en moi. Mais le but, quand tu viens de la rue, c'est pas d'y rester. C'est d'en sortir. J'en ai rien à foutre de la rue. Quand je vais aux États-Unis, à Los Angeles, je vais pas traîner à Compton. Je vais pas traîner. Non. Moi, si je vais à Los Angeles, c'est pour aller à Hollywood. Pour faire de l'argent. Je m'en bats les couilles de la rue. Je bande pas sur la rue. Le but, c'est qu'on en sorte tous de la rue. On vient d'en bas et le but, c'est qu'on aille en haut. Premièrement. Comme ça, c'est clair. Le but de tout le monde, là, tous ceux qui viennent d'en bas, c'est d'aller en haut. Donc, il y a pas de, on kiffe la rue, on kiffe pas la rue. Et un mec qui vient de la rue, il va jamais bander sur la rue. Il sait c'est quoi les inconvénients de la rue. Il sait ce que ça apporte, les traumatismes. La manière dont tu dois te taper plus que les autres, etc. Il y a ça, tu peux en tirer du positif dans le mindset, mais il y a beaucoup de choses qui laissent des traumatismes. Donc personne qui vient de la rue ne kiffe la rue. Déjà ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que en fait il y a un truc que vous vous rendez pas compte et après je vais dire la news. Un truc que vous vous rendez pas compte c'est que dans cette industrie en fait surtout des mecs comme Drake etc. Drake on parle d'un mec qui est le mec le plus streamé au monde. C'est le mec le plus écouté, c'est le plus gros artiste. Il est signé de base chez Cash Money. Cash Money, c'est Birdman. Il bosse avec Jay Prince, Rappelotte. C'est des grosses pointures quand même. Et même si on enlève le fait que ça soit du rap, dans tous les business, les mecs qui sont à un certain niveau, ils sont obligés d'être entourés de gens dangereux. Parce que dans tous les cas, si t'es pas entouré de gens dangereux, il y a des gens dangereux qui vont vouloir t'extorquer. Donc, peu importe que tu regardes, même si on parle par exemple de Cyril Hanouna, il y a des mecs dangereux autour de lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es obligé. Parce que sinon, si t'es un petit mec gentil, etc., et t'as pas des gros mecs autour de toi, ils vont t'extorquer. Et il y en a même qui se font double extorquer. Ils se font extorquer par leur sécu et extorquer par les mecs de la rue en même temps qui passent par leur sécu pour les extorquer. Donc, c'est beaucoup d'extorcation. T'as capté? Bon, on va revenir au sujet. Donc, le sujet, c'est qu'il y a eu une fusillade devant chez Drake. Grosse fusillade devant chez Drake. Enfin, grosse, je sais pas, hein, mais j'ai vu la news sur Keep Six Solid, un média, j'espère que je l'ai bien dit, mais c'est un média de Toronto. Donc, ça s'est passé à Toronto. Hein, Drake, sa maison, elle est à Toronto. Il y a eu une fusillade, il y a eu un blessé. Et ça se passe juste après, justement, la fusillade qu'il y a eu devant chez Cash, le manager de The Weeknd, à Los Angeles. Donc, maintenant, le truc, c'est... Les gens ils vont se demander, est-ce que c'est la réponse de Cash? Est-ce que c'est si? Est-ce que c'est parce que son adresse a leaké? Est-ce que nanana? On ne sait pas. Dans tous les cas, il y a eu la fusillade. Et on sait que là, ils ne sont pas dans une période joviale, l'équipe de Drake. Ni l'équipe de Kendrick. Hein, je pense que personne n'est vraiment... En fait, le clash, ça a donné des bons sons. Ça a donné de la visibilité à tout le monde, etc. Mais ce n'est pas le truc que tout le monde n'est pas content. Personne n'en sort vraiment indemne. C'est-à-dire que quand tu regardes, Kendrick qui sort avec un gros dossier de mec qui a tapé sa meuf, de mec qui a un enfant qui n'est pas son enfant, ça va le suivre toute sa vie. Drake qui sort avec un truc de voilà pédophile, etc., etc. Ça va le suivre toute sa vie. Ça joue, je pense par exemple Drake il est avec Nocta. Là le plus gros son qui tourne en ce moment c'est le son de Drake de Kendrick Not Like Us. Où on entend pendant tout le son, c'est un pédophile. C'est un son qui va tourner sur les ondes pendant je sais pas combien de temps. Drake, il a des collabs avec des trucs comme Nike, Nocta. Le mec, Nike, ils doivent se gratter les veines là. Ils doivent se dire putain de merde. On a une collab avec un mec et là, le son qui tourne, c'est que c'est un pédophile. Et bien sûr, tout ça, je le dis, c'est allegedly, comme disent les Kenry. Il n'y a rien qui a été prouvé, ni du côté de Drake, ni du côté de Kendrick. Tout ça, c'est dans des clashs, etc. Donc, ça bénéficie pas forcément aux artistes, c'est clair que ça fait du bruit pour la culture, etc. Mais je l'ai dit dès le début, ce genre de clash, ça engendre de la violence, et c'est sûr et certain. C'est sûr et certain que ça allait engendrer de la violence. Mais quand je l'ai dit, vous avez voulu me faire passer pour un enculé, ou un mec qui bande sur la rue, ou nanana, alors que la seule chose que j'ai fait, c'est partir aux États-Unis et tenter de vivre des choses là-bas, et être à l'intérieur du game et le comprendre. Et moi, je vous raconte juste les choses que j'ai comprises. C'est tout. Et puis, j'ai des potes chez PG Lang.
J'ai des oreilles chez PG Lang dans le crew de Kendrick. J'ai des yeux chez Drake dans le crew de Drake. J'ai des gens à Toronto qui me parlent. Pour ceux qui me suivent, ben, je l'ai dit, mon blaze French Plug, je l'ai eu de Toronto. J'ai eu de l'équipe de Party Next Door. J'ai partagé plusieurs fois Top 5. J'ai déjà fait des trucs avec Pressa. J'ai déjà fait des trucs avec Kendrick. J'ai déjà fait des trucs avec des proches de Kendrick. J'ai des beatmakers de PG Lang qui me check. Des beatmakers de PG Lang qui sont des anciens beatmakers de Crump. Avec qui on a grandi avec Rascal. Donc voilà. Donc pour vous dire que quand je vous dis des trucs, la culture, c'est pas regarder sur Wikipédia. La culture, c'est la vie. Quand je vous dis des trucs, c'est des trucs que je vis. Il n'y a pas de Wikipédia, moi. Moi, c'est... Il n'y a pas ça. Moi, c'est là, ma caméra, toi, moi, et je te parle. Mamad à côté, Alisha derrière, et je te parle. J'ai une question, moi. Ouais, c'est quoi ta question? Je sais pas si tu as déjà répondu, parce que je viens d'arriver. Vas-y, dis. Est-ce que justement, dans les faits, comme tu dis, même si c'est des faits allegedly, le clash, c'est pas en soi Kendrick qui l'a gagné dans les répercussions? Ah, mais bien sûr. Dans le sens où là, le son qui passe dans tous les clubs, c'est Not Like Us. Ouais. Ça lui fait une promo de ouf. Ouais. Il va sortir son projet derrière, c'est sûr que tout le monde va l'écouter. Ouais. C'est un artiste qui est internationalement, faut le dire, dans les faits, un peu moins big que Drake en termes de réputation. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Une célébrité. Donc il a même à gagner dans la visibilité. Et genre, alors que Drake, bah, comme tu dis, il a des contrats. Là, le hit du moment qui s'annonce être un peu le hit de l'été, c'est dit que c'est un certified pédophile. Et le hit là, le plus gros hit, c'est même pas celui-là, c'est même pas Not Like Us, c'est Like That, hein, toujours. Ouais, en plus. C'est-à-dire qu'il y a, je crois qu'il a 4 sons au Billboard là, Kendrick. C'est ça. Mais, oui, et je suis allé, j'ai checké sur Spotify. Big Stepper et Mister Moore. Il est rentré dans Billboard. Ouais, et c'est ça. Ces 3 sons les plus streamés, c'est le Clash. Ouais, c'est les Clash. Tous les sons de Clash, ils sont. En fait, en vrai, dans les faits, que ce soit basé sur des rumeurs, des faux trucs et tout, le gagnant. Ça reste Kendrick. Bien sûr. Se clash, en bien sûr. Mais ça, on va faire une vidéo vraiment pour dire qui est le gagnant. Mais pour moi, t'as raison. Le gagnant du clash, là, c'est Kendrick, clairement. Drake, en termes, en tout cas, de chiffres. Drake oui. Et de retombées. Et de retombées, et même de la vie générale, hein, du peuple. Hein. Parce qu'en plus, même le fait que ce soit un mec plus ou moins discret sur sa vie perso, bon, bah, que sa meuf, elle ait eu un gosse avec son manager, parce qu'on sait que, bon, Kendrick, c'était pas quelqu'un de sérieux. Est-ce que les gens, ça leur importe vraiment, vu que c'est pas quelqu'un d'exposé, sa meuf? Ça, c'est quand même chaud. Non, c'est chaud, Je vais pas te mentir. Comment tu le dis, ça me fait peur, Alisha, là. Non. Tu pourrais avoir un enfant avec mon manager? N'importe quoi, c'est mais j'ai pas de manager. Ça. C'est moi, mon manager. Donc, non, t'aurais dû dire oui. Déjà. Non, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens-là. Mais je pense que les gens, ils partent déjà du postulat que quand t'es connu, riche, rappeur, t'es déjà pas très fidèle. T'as déjà une vie un peu... Attends, t'es en train de dire qu'un homme noir comme Kendrick n'est pas fidèle. Alors, on arrête mais ici. Il a déjà dit que ça... Non, j'arrive pas à y croire. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse que tu dises que devant la caméra, tu dises qu'un homme noir soit infidèle. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est immoral. C'est irrespectueux. C'est irrespectueux. Immoral. Dégueulasse. Et surtout, c'est... Je peux pas crier. Allez. Allez, salut. Salut. Donc, t'es en train de dire que mon fils que t'as dans le ventre, c'est possible que ça soit un trompeur? Je pense pas que ce soit, je sais pas. Il peut pas être un trompeur, il est noir. Ouais, mais s'il tient de son père de sa période 16-25 là, c'est bizarre. Je dirais même 12-25. Mais en tout cas, Kendrick, il a déjà dit à des interviews. Bye.